Hey Matelot, ici Devroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel d'une énorme tour moderne végétalisée sur Minecraft, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo probablement. Et hop, je te montre un peu la bête, voilà un petit peu l'engin si tu veux. Alors cette tour là m'a été inspirée par la construction de l'une d'entre vous en fait sur le serveur. En fait c'est DJ Rebel qui a fait une tour qui ressemble un peu à celle-là. Et du coup je m'en suis inspiré pour réaliser cette maison là, cette tour là plutôt. Parce que je rappelle aussi du coup à ceux qui ne le sauraient pas, il y a un serveur sur lequel on joue tous ensemble pour faire une énorme ville moderne sur Minecraft avec les abonnés. Et du coup tu peux aussi la rejoindre avec l'IP qu'il y a dans la description pour ceux qui ont envie de rejoindre le serveur. Et donc voilà. En gros, pour réaliser cette tour-là, on va d'abord réaliser une espèce de pattern au sol pour pouvoir monter toutes les choses après. Voilà, donc on va faire ce pattern au sol là déjà en quartz. Donc je t'invite à prendre les blocs de quartz qui sont nécessaires pour faire ce truc. Et en gros, je vais te donner les dimensions les unes après les autres pour réaliser cette espèce de carré bizarre. Donc voilà, on va commencer avec la longueur du fond ici qui fait 12 blocs. Ok, donc au fond là tu as 12 blocs de longueur. Tu pars en perpendiculaire pour faire 12 blocs ici en quartz aussi. Ok, à partir de là tu reviens pour faire cette ligne là de 10 blocs de longueur. Ok, puis après par là de 4 blocs. Par là-bas de 7 blocs. On revient par là de 7 blocs aussi. Par là de 5 blocs. Et par là de 10 blocs. Ok, donc je répète, hein, ici c'est 12. Ok. Ici c'est 12, ok, ici c'est 10, ici c'est 4, ici c'est 7, ici c'est 7, ici c'est 5 blocs là-bas, et là-bas c'est 9 blocs pour relier au tout et pour avoir notre petit pattern. Ok, une fois qu'on a ça du coup, on va prendre les blocs de bois de sapin, ok, on va partir de notre coin ici, ok, on va compter 2 blocs sur le côté, et 1, 2, 3 blocs en arrière, d'accord, et à partir de là en fait ça va nous donner notre coin pour le sol en fait, pour la base du building. Ok, donc on va aller dans ce sens là à 29 blocs de longueur, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, et après on va aller de ce côté là jusqu'à 24 blocs, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà. Et du coup, bah maintenant, on va tout simplement repartir dans ce sens-là jusqu'à 29 blocs. Et après, on va combler tout le rectangle, hein, tout simplement. Youp, du coup, je fais ça rapidement. Hop, en laissant pas trop de trous, tant qu'à faire. Là, je suis allé un peu loin. Hop. Et voilou. Donc voilà, pour l'instant on a ça, ce qui va nous permettre d'avoir les premières dimensions véritablement de la maison. Du coup, on va augmenter la taille de notre ligne de blocs de bois ici comme ça jusqu'à 4 blocs de hauteur. Donc 2, 3, 4, ok, et on va monter tout le long de notre bloc de bois à 4 blocs de hauteur. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors une fois qu'on a fait ça, on va faire un espèce de petit couloir entre notre forme ici, tu vois, et la partie en bois. Donc on va venir ici comme ça, hop, mettre une première ligne entre le gros carré ici et le bois. Et on va laisser, voilà, une ouverture de 3 blocs ici comme ça, un espèce de petit couloir de 3 blocs de large qui va venir, hop, passer au travers de la partie en bois ici comme ça, ok, jusqu'à un bloc par devant, hop, et on va venir mettre un couloir carrément, hein, à la même hauteur ici comme ça, yup, voilà, ok. Ok, et on bouge au-dessus le dessus comme ça, hein, tout simplement. Voilà, donc on fait ça. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va utiliser aussi les blocs de bois plus classiques, ok? Et on va venir faire un espèce d'entourage à notre socle, en fait, comme ça, c'est-à-dire un entourage avec plein d'espèces de petites colonnes, en fait, ok? Et ça, c'est une idée que j'avais vue en regardant un bâtiment réel, en fait, et je trouvais ça plutôt intéressant. Donc l'idée, c'est qu'on va venir mettre comme ça des morceaux de bois à un bloc sur deux, sur toute la longueur, en fait, de la surface de du socle en fait lui-même. Et on va venir les mettre à 5 blocs de hauteur, donc à un bloc au-dessus du reste du mur en bois. Hein. Hop, ici comme ça. Voilà, et on fait ça sur tout le long de notre espèce de socle. Ok, voici ce que ça donne. Alors, avant de continuer le reste, on va faire monter la tour. C'est-à-dire qu'on va monter toute cette partie-là. Donc, toute cette partie-là, là, ok, jusque là, tout ça, hop, toute cette partie-là aussi jusque là. Ok, donc toute cette partie-là, le grand carré hein, qu'on avait mis au tout départ, on va la monter à 50 blocs de hauteur. Donc on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc. 49, 50, ok. Et donc vous voyez, toute cette partie-là, tout le grand carré qu'on avait fait au départ, hein, on va monter juste cette partie-là en quartz à 50 blocs de hauteur. Donc vous voyez, hein, toute cette partie-là, tout ce mur-là au fond, celui-là ici aussi, et celui au niveau de l'entrée. Aussi, on va tout monter ça à 50 blocs de hauteur. Ok, donc cette partie-là en quartz, elle a été faite, hein, juste cette partie-là avec le bout ouvert sur le côté, d'accord? On va revenir au niveau du sol et on va reprendre cette partie-là en fait, d'accord? Cette partie-là, du coup, on va la monter à 4 blocs de hauteur en quartz, ok? Voilà, donc on la monte rapidement à 4 blocs de hauteur en quartz. Et après, toute la partie du dessus va être faite en verre, donc en bloc de verre bleu clair. Hein. Ok, donc on va venir prendre les light blue, hein, donc les verres bleu clair, et on va les faire venir en hauteur, donc toute cette partie-là. Ok, hop, on va les faire monter en hauteur jusqu'à 2 blocs au-dessus de la partie en quartz qui est juste à côté, d'accord? Donc voilà, à 2 blocs au-dessus. Tu vois, de ces murs là, et ce sur toute la partie ici qui manque. Et voilà ce que ça donne. Ok, donc on peut aussi au niveau du haut, hein, hop, boucher comme ça la partie du carré qui manque, hein, et aussi boucher sur tout le haut, hop, comme ça, voilà, comme ça il pleuvra pas à l'intérieur de la cage d'escalier, ce qui serait plutôt pas mal. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça au niveau du sol, on va changer l'herbe à l'intérieur de notre espèce d'espace privé finalement, hein, en bois quand même. Tout l'herbe, on va le changer en bois. Voili voilou. Ok, donc au niveau de l'entrée aussi, tu vois qu'on a encore quelques blocs qui sont à mettre comme ça, voilà. Et une fois qu'on est à l'intérieur en fait de notre grand bâtiment ici, on va quand même ouvrir les côtés ici pour avoir un minimum de place pour pouvoir circuler. Ok, on va laisser juste 3 blocs comme ça sur les côtés et après on ouvre, hein, quand même, pour qu'on puisse passer d'une partie à l'autre quand même du bâtiment. Ça serait pas mal. Ici du coup, au niveau du toit, parce que là pour l'instant on n'a pas du tout de toit, on va mettre quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va remplir toute la surface du toit de trappes comme ça, vous voyez, de trappes en bois classique, hop, et on va vraiment couvrir toute la surface, comme ça la luminosité sera vraiment énorme, tout en bloquant la pluie, et finalement voilà, moi je trouvais ça intéressant de mettre l'ensemble du toit en trappe. Et donc j'ai testé, je trouvais ça bien, j'ai gardé, tu fais ce que tu veux. Maintenant si tu veux mettre un toit en autre chose, évidemment tu te fais plaisir. Moi je vais mettre tout ce toit là en fait en trappe et tu vas voir, ça rend plutôt bien. Voilà un peu le résultat pour l'instant, hein. Alors c'est vrai que c'est particulier, hein, on voit tout le ciel du coup quand on est à l'intérieur du rez-de-chaussée. Voilà, mais... Voilà, après, à l'intérieur de la maison, on peut aussi... Je vais appeler ça une maison, hein, parce que ce sera plus facile. On peut aussi mettre, du coup, des barrières comme ça pour soutenir le plafond, hein, de temps en temps. Paf, tous les combien de blocs j'ai mis là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, paf. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et on peut mettre, voilà, des barrières aussi... pour faire semblant que ça soutient le plafond, donc ça peut être intéressant de jouer avec ces trucs là. En tout cas voilà, avis aux amateurs. En tout cas voilà, pour l'instant on va reprendre nos blocs de quartz et on va venir coller sur la façade plein de grandes fenêtres, en fait plein de petites grandes fenêtres oui, enfin, ça veut rien dire, mais plein de fenêtres comme ça qui vont vachement ressortir de la structure pour pouvoir après, entre les fenêtres, placer des blocs et des barrières de feuilles, ok, pour donner vraiment un côté très végétalisé à la tour. Donc voilà, je vais faire cette façade là, et après les autres façades ça sera la même chose, hein, plus ou moins ça sera le même principe qu'il faudra recoller partout. Donc hop, on va venir à partir de là par exemple, hein, et on va faire des fenêtres qui vont se décoller de deux blocs de la structure. Bon, c'est-à-dire qu'on va faire des trucs comme ça par exemple, hein, pouf, pouf, voilà, des trucs hop comme ça, peut-être plus en longueur, hop. Voilà, on va pouvoir faire des fenêtres peut-être plus courtes dans ce sens-là. Hop, comme ça, d'autres fenêtres... Ici, on n'est pas obligé d'alterner un coup sur deux comme ça non plus. Après, on peut faire des fenêtres centrales, des fenêtres... hop, en longueur, des fenêtres en largeur, des fenêtres un peu dans tous les sens finalement. Hop, des fenêtres comme ça, tu vois, des petites, des grandes, des plus ou moins grandes, des plus ou moins hautes. Et maintenant on va aussi faire une terrasse au niveau du dessus. Enfin, regardez sur le modèle là-bas, sur le toit du bâtiment, il y a une espèce de terrasse comme ça qui est un étage coupé en fait finalement. Donc on va faire ça aussi avant de pouvoir faire le reste. C'est-à-dire que comme le bâtiment il fait 12 blocs de long, on va couper sur 6 blocs. C'est-à-dire on va partir de là, on va couper 2, 3... Alors 3, 4, 5, 6, ok, et on va compter 4 blocs vers le bas, donc 2, 3, 4, ok, et toute cette partie-là du bâtiment, on va la couper, du coup surtout de la longueur aussi, hein. Hop, allez, voilà, donc 2, 3, 4, 5, 6, et toute cette partie-là, on l'enlève, ok, pour avoir vraiment une coupure à l'intérieur du bâtiment. Donc une fois qu'on a ça, du coup on va finir notre toit véritablement en mettant des blocs de quartz ici, hop, pour avoir un vrai toit, ok, ok, comme ça. Et on va aussi avoir des renforcements, hein, comme on a mis autour des fenêtres, tu vois il y a 2 blocs autour des fenêtres, bah là au niveau du toit on va mettre aussi tout autour 2 blocs aussi comme ça, tu vois, donc toute cette ligne là en fait, ok, on va en mettre 2 blocs, là j'en mets une première couche, ok, en suivant tout le long, hein, du haut du bâtiment, comme ça, et on remet une deuxième couche ici, ok, pouf. Hop, comme ça, et on fait tout le tour comme ça, comme pour les fenêtres, hein, exactement. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va mettre en place les barrières et les blocs de feuilles sur le bâtiment. Et après, on fera la même chose sur les autres côtés du bâtiment, hein, évidemment. Alors du coup l'idée c'est qu'on va venir avec les feuilles comme ça et on va les placer de manière un peu random, un peu aléatoire comme ça sur la surface du bâtiment, voilà, ouf, comme ça on va les placer de manière random, histoire qu'il y en a à peu près un bloc sur deux grosso modo placé aléatoirement. Et après sur les trous qui restera, où il n'y aura pas de feuilles, hein, sur le bâtiment, on va mettre des barrières pour qu'il y ait un petit peu de couleur de bois aussi avec, ok, et par dessus ça on rajoutera encore une couche de feuilles pour avoir 2 blocs de profondeur de feuilles en fait, tout simplement, sur l'ensemble du bâtiment. Voilà un petit peu l'histoire. Donc voilà, en mettant à peu près un bloc sur deux, hop, comme ça, ok. Donc voilà, pour l'instant on a un truc à peu près comme ça, il y en a un peu moins d'un bloc sur deux, à peu près, donc on va rajouter un petit peu des feuilles, et bon après, ça devrait être bon pour l'instant. On va rajouter du coup des barrières dans les trous, là où il n'y a pas les feuilles tout simplement, voilà, pouf, et on fait ça sur tout le long de la façade du bâtiment. Hop, ok. Et donc une fois qu'on a mis notre première couche avec des feuilles et des barrières un peu partout sur la façade, on va aussi rajouter des feuilles encore par dessus. Pas de barrières, hein, juste des feuilles. Voilà, qu'on va mettre aléatoirement, un peu comme pour la première couche de feuilles finalement. Hop, voilà. Histoire de donner du relief en fait à la tour, tout simplement. Pouf. Hop, voilà, donc on clique un peu au hasard, hein, voilà. Hop, et on refait pareil sur toute la surface de la tour. Et vous voyez que bah, ça donne plutôt bien, hein, en vrai, honnêtement. Alors, faudra juste penser à un truc quand on va faire les autres parties de la tour ici, c'est que au niveau des coins, vous voyez que notre renforcement au niveau du toit bah, ouvre plein de coins, parce que là, vous avez donc la façade hein, du bâtiment qui s'étale aussi sur les deux blocs à côté, ici comme ça. Ok, voilà, hop. Je vais vous montrer sur le modèle, ça sera plus clair, ok. Voilà, donc ici, là, vous voyez, le mur s'arrête à ce niveau-là, sur ce bloc-là, sur la longueur. Sauf qu'on va aussi rajouter des morceaux de barrières et de feuilles aussi sur le coin, en fait, sur le coin du bâtiment qui serait vide si on n'y mettait rien, quoi, du coup. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire attention. Hop, donc du coup, voilà, maintenant, le reste hein, du bâtiment, il suffit de rajouter des fenêtres et des feuilles comme on a mis pour la première façade. Et paf, c'est pas beau ça hein, honnêtement là ça commence à prendre de la tronche notre bâtiment, là ça va être pas mal, ça commence à devenir pas mal. Maintenant on va s'occuper de la cage d'escalier, hein, notamment les différents étages de la tour. Ok, parce que pour l'instant la tour, bah elle ressemble un peu à ça. C'est-à-dire quelque chose de assez vide finalement, une espèce de paquet de cadeaux, sans cadeaux à l'intérieur, ce qui est un peu dommage. Mais juste à côté ici tu vois on a une grande pièce qui fait 7 blocs sur 7 qui permet de mettre un escalier dedans. Donc on va mettre un escalier en tournicotis qui va permettre de faire plein d'étages en fait, voilà. Donc tu vois ici là on va mettre un premier l'escalier tout simplement, pouf pouf comme ça, et on va rajouter des demi-blocs. On va faire l'escalier en quartz, donc en escalier et en demi-bloc. Donc voilà, on va faire ça comme ça, hop hop. Et la largeur de notre cage d'escalier est telle que on va pouvoir faire toujours la même chose en termes d'escalier finalement. Hop, c'est à dire qu'on va faire ces trucs là, 2 blocs d'escalier, 4 blocs de demi-blocs derrière, et après et après on répète ça hein, donc 2 blocs d'escalier, 4 demi-blocs, 2 blocs d'escalier, 4 demi-blocs, etc., etc., etc. Et on va monter tout en haut avec tout ça. Donc j'en refais plusieurs hein. Voilà, 2 blocs d'escalier, hop, 4 demi-blocs sur la même ligne, après on revient sur le côté, hop, on remet 2 blocs d'escalier, 4 demi-blocs, pouf, 2 blocs d'escalier, 4 demi-blocs, etc., etc. Et on va faire ça tout jusqu'en haut. Et paf, du coup, voilà. Donc là, on est au milieu de l'escalier. Il y a un trou en fait en plein milieu qui permet, voilà, de voir, hein, de pouvoir descendre plus rapidement si jamais t'as envie. Voilà. Là, admettons, on est au dernier étage. T'as pas envie de te taper tout l'escalier, bon bah tu te mets au plein milieu et woup. Voilà, donc par contre effectivement si t'es en survival, bon tu risques d'avoir un petit peu de problème. Donc dans l'idée, on va tout simplement prolonger les plateformes de l'escalier ici, tu vois, qui sont côté, côté tour finalement, pour les prolonger et en faire des étages tout simplement, voilà. Voilà, donc on va construire les étages en fonction de l'escalier, ce qui permet d'avoir un côté pratique tout de suite, quoi, en fait, voilà. Comme ça, l'escalier et les étages, ils sont coordonnés tout de suite, il n'y a pas besoin de s'embêter plus que ça. Voilou, voilou. Donc, vous voyez, hein, on refait ces mêmes étages-là à chaque fois, à chaque cran, celui-là, ici, 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 tout ça. Donc, voilà, en tout, on a combien donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ou 13 étages, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il suffit tous de les boucher maintenant. Et du coup, on arrive au dernier étage là. Parce que regardez, tout le reste des étages ont été faits. Hein. Hop, la preuve. Ah, bah, voilà, tant pis, je voulais faire un effet sympa en tombant de plein d'étages d'un coup. Tu vois, un truc comme ça. Oui, pouf, voilà, en te disant du coup, bah ça y est, t'as vu quelque chose, et hop. Et mais bon, voilà, bah, j'ai foiré mon effet, c'est pas grave. Du coup, je vais essayer de remonter, hop, et on va faire le dernier étage de manière un peu différente. C'est-à-dire que on va mettre le dernier étage en bois et non en quartz comme on a fait pour les étages précédents. Parce que c'est plus sympa à voir de l'extérieur le bois. Donc voilà, là j'ai besoin de rajouter pour le dernier étage un escalier supplémentaire parce qu'il y a un bloc de différence entre le l'étage extérieur ici et les escaliers. Mais bon, voilà. Du coup, on va tout simplement boucher toute la surface ici. Hop, ici, donc avec des morceaux de bois. Et voilà. Alors du coup, une fois qu'on a ça, on va mettre un petit peu de barrière de sécurité, un minimum, parce que c'est vrai que tomber de 50 mètres de hauteur, ça fait pas méga du bien de manière générale. Donc on va mettre une barrière de sécurité en verre tout autour du machin. Pouf, pouf, ok. Voilà. Après du coup, s'il y en a qui tombent quand même, bah c'est que c'est des gens qui ont escaladé la barrière et donc du coup voilà, ils savaient à quoi ils s'attendaient. Bref, du coup, on va reprendre les blocs de quartz pour les mettre ici, là, tu vois, sur la longueur, hop, sur cette ouverture là. Et on va mettre par-dessus ça des demi-blocs de bois classiques, voilà, des blocs de bois machin comme ça. Et on va mettre des espèces de... On va mettre une terrasse ici, là. Une terrasse semi-couverte, comme tu peux le voir sur le modèle là-bas. Et on va mettre des grandes poutres, en fait, de bois qui vont venir comme ça, par-dessus la terrasse, du moins en partie. Donc voilà, sur 6 mètres de long, à peu près, quelque chose comme ça. Hop, tous les deux blocs. 1, 2, hop, 1, 2. Voilà, donc je vais même décaler les machins ici, comme ça. Hop, donc voilà, en laissant un bloc de chaque côté ici du bâtiment. Voilà, donc là ça passe nickel. Et on les met, voilà, à 5, 6, 7 blocs de longueur, hein, les espèces de lamelles qui sont ici. Voilà. Du coup, on va aussi rajouter des petits trentans, des petits zazates, des petits bronzates, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on va utiliser des escaliers comme ça, voilà, un peu sur la longueur du toit ici, avec des demi-blocs par devant pour faire croire à des transats, pour, voilà, pour pouvoir bronzer au soleil comme tu veux le voules, j'ai envie de dire. Du coup, là-dessus, on va aussi rajouter des vitres aussi, là, sur cette espèce de grande baie vitrée ici, avec une ouverture de 2-3 blocs, quelque chose comme ça. Pouf. Voilà, pour pouvoir fermer un peu l'endroit si on en a envie. Ici, c'est plus dans l'idée de faire un espace pour les gens de l'immeuble. Ce serait pas un étage à part entière, ce serait pas un étage d'habitation. Ce serait, voilà, quelque chose pour les gens de l'immeuble, pour bronzer, pour, voilà, un espace collectif, quelque chose comme ça. Voilà, donc du coup, au niveau du dessus du toit, véritablement de notre bâtiment, on va rajouter quelque chose que je rajoute à chaque fois mais qui est toujours aussi efficace, ce sont les panneaux solaires, évidemment. Donc voilà, les panneaux solaires, hein, on les met ici, hop, sur le toit. On en met un autre ici parce que pourquoi pas. Et tout le reste du toit, en fait, on va pouvoir mettre des tapis de laine grise, en fait, par-dessus tout le quartz ici, en fait, comme ça. Des tapis de laine grise claire, hein, et vous voyez que ça va donner quelque chose de plutôt intéressant, de plutôt bien. Hop, je vais te montrer ça. Hop, voilà. Donc ça rend plutôt bien, je trouve. Voilà, avis aux amateurs, et je pense qu'on en a fini avec la tour. Voilà, on en a fini avec ce tutoriel. Je vais juste vérifier qu'on peut bien monter dans les escaliers, mais a priori j'ai pas fait de faute. Hop, donc voilà, on peut entrer à l'intérieur du premier étage, là, donc tous les espaces collectifs à ce niveau là, des boutiques si tu veux, tout ça. Ici il y aura tous les étages pour les gens avec les vitres et tout, ok. Donc là on peut bien aller dans chaque truc. Ah oui, non, effectivement j'ai loupé, j'ai oublié de mettre 2-3 blocs, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, normalement, youp, tout marche bien. En tout cas, voilà, fais-toi plaisir. Tu peux reprendre des idées de la construction si t'as pas envie de la reprendre en entier. Fais-toi plaisir. En tout cas, tu peux venir aussi sur le serveur avec nous pour construire tout un tas de choses sympathiques. T'as l'IP dans la description. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.